Alors, connectez-vous rapidement, connectez-vous, Africa de Liberté, connectez-vous. Mesdames et messieurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples de Côte d'Ivoire, je vous salue. Je vous salue depuis donc vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. Africa de Liberté, connectez-vous, partagez massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis. On va ce matin rapidement se rendre en Côte d'Ivoire et dis la vérité à certaines personnes, dis la vérité aux Ivoiriens pour que eux-mêmes là, eux-mêmes sachent réellement dans quoi ils sont. Pendant qu'ils ont encore temps, il faut faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous, les Ivoiriens qui êtes ici déjà, il faut commencer à partager la vidéo. Les panafricains, les Africains, les combattants, vous tous qui êtes déjà connectés ici. Partagez la vidéo parce que le combat de la Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit, c'est un combat panafricain, c'est un combat africain. Parce que Ouattara aujourd'hui est tout simplement l'ennemi commun. Voilà, aujourd'hui là, personne ici ne va nous dire qu'il ne sait pas que Alassane Dramane Ouattara est l'espion numéro 1 de la France. Alassane Dramane Ouattara est le sous-préfet numéro 1 de la France. Alassane Dramane Ouattara est le bras droit donc de la France-Afrique en Afrique. Donc aujourd'hui là, le combat de la Côte d'Ivoire, c'est un combat panafricain. Partagez tout simplement cette vidéo, invitez vos amis, prenez vos tabourets parce que ce matin, on va encore parler très fort par rapport à cette CAN que Dramane Ouattara veut, coûte que coûte, récupérer pour faire donc de cela un instrument par rapport à son quatrième mandat qui est en cours de téléchargement. Et je l'ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre tout en œuvre par rapport à son quatrième mandat. On va en parler dans une vidéo très prochainement par rapport au remaniement qui a eu lieu dans son gouvernement. Pourquoi Dramane Ouattara a remanié, est en train de toujours vouloir remanier et tout en remanier son gouvernement. Chers peuples de Côte d'Ivoire, l'heure est très grave. Il faut ouvrir les yeux. Les Ivoiriens, je vous ai toujours dit, il est l'heure de voir au moins quelque chose par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. On va parler, mais aujourd'hui nous sommes là pour parler de cette CAN de récupération, cette CAN où les Ivoiriens ont tous mouillé le maillot, mais ils sont en train d'être remerciés comme des lâches. Cette CAN où les Ivoiriens, aujourd'hui, à la fin, ne sont même pas considérés. Cette CAN que Alassane Dramane Ouattara avait récupérée par rapport donc à son quatrième mandat qui est en cours de téléchargement. C'est-à-dire la CAN finie et les Ivoiriens là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens gagnent par rapport à cette CAN? Même pas un merci. Même pas un merci. Et le discours de Mascradel aujourd'hui, à la fin de la CAN, le discours que Mascradel a eu à tenir là, normalement, dans un pays où les Ivoiriens en majorité se sont levés, corps et âme, ont donné leur vie pour que la Côte d'Ivoire, en tout cas, puissent remporter la CAN à la fin, on ne leur dit même pas un petit merci. Tous les éloges là, c'est à l'endroit d'Alassane Dramane Ouattara. Tous les éloges à l'endroit d'Idriss Diallo. Afrique de liberté, cher peuple de Côte d'Ivoire, pourquoi? Qui a écrit le discours de Marc Radel? On va vous expliquer dans cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la Côte d'Ivoire et pourquoi les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux là. Pour voir clair. Une fois au moins cela, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cerveaux. Parce que quelque chose est en train de se passer en Côte d'Ivoire. 2025 n'est pas loin. Et Dramane Ouattara n'est pas en train de dormir. Ce qu'il est en train de mettre en place là, ce n'est pas normal et ce n'est pas bon. À la dernière minute, quand ça va exploser là, on ne pourra rien. C'est maintenant là qu'il faut empêcher que ce truc là explose. Et c'est ensemble, toujours, je le dis, qu'on pourra y arriver. Il faut que vous vous réveilliez. Pour ne pas qu'à la fin là, vous vous jouez les étonnés. Parce que depuis longtemps, on ne fait que crier, décrier. Personne ne prend en considération ce que nous disions. Et à la fin, c'est pour venir s'arrêter là et se jouer les étonnés. À la fin, c'est de venir et maintenant appeler à ce que les enfants des gens la sortent pour qu'on puisse les massacrer. Alors qu'on sait très bien que c'est trop tard. Comme si on était en complicité avec ces gens-là. Comme si le peuple de Côte d'Ivoire est seulement un peuple de sacrifice. C'est la dernière minute, on les fait sortir pour les sacrifices. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Ce n'est pas normal. Un peuple qui s'est levé. Un peuple qui s'est donné. Qui a tout fait.
On ne leur dit même pas merci. Tout le monde a été récompensé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ce peuple a gagné? Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire a gagné dans tout ça là? Si vous ne pouvez pas retirer les 10%, si vous n'avez pas de solution pour rendre la vie moins chère en Côte d'Ivoire, mais dites-le au moins merci. Dites merci au peuple de Côte d'Ivoire qui s'est levé, qui a tout fait, qui a mouillé le maillot. On peut être ingrat à ce point-là. Afrique de liberté, chers amis, chers peuples de Côte d'Ivoire, il faut tout faire pour empêcher le quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara qui est en cours de téléchargement en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, on va rapidement écouter notre sœur par rapport à cette situation qui est perdue en Côte d'Ivoire. Et à tout à l'heure. Partagez, protégez la vidéo, n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous tout simplement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur Côte d'Ivoire 2020, votre chaîne panafricaine. Pompez le pouce bleu, on écoute cette vidéo et à tout à l'heure. Vous qui m'avez traité de malienne, vous qui avez dit que ce n'est pas mon choix, je n'ai pas le droit de choisir mon équipe, je n'ai pas le droit de dire que moi la guêpe, étant une Ivoirienne, je ne dois pas dire que je choisis ou bien je supporte le Mali. Non, ça c'est un crime là. Moi, Gradé dit que c'est Ouattara et puis Idriss là. Ce sont les deux là qui lui ont apporté le soutien dont il avait besoin. Donc, vous les supportez là. Moi, Gradé dit sans garde pas de vous. Oui, c'est parce qu'il ne va pas dire ça dans les discours. Mais il dit indirectement que vous les supportez là. Vous êtes partis au sein, vous les rempli là. Vous n'avez rien à créer, vous n'avez rien créé ici. Vous n'avez pas apporté le soutien. Vous les avez vilipendés. Vous les avez allumés 4 à 0 là. Vous avez insulté. Il y a d'autres qui ont utilisé des gros mots insultés. Maman, il y a d'autres qui ont dit tout ce qu'ils ont dit. Vous vous rappelez très bien mon direct que j'ai eu à faire. J'ai dit non, c'est pas que les Ivoiriens n'ont pas, comment on appelle, n'ont pas bien joué. Bien au contraire, ils se sont bien défendus contre la Guinée équatoriale. C'est parce que on est dans un pays où il y a la poisse là. C'est Ouattara le problème là. C'est ça qui a fait que les gars n'ont pas gagné. J'ai été net, clair et limpide dès le départ. Je l'ai dit. Le fait de ne pas avoir supporté, de ne pas avoir dit que je ne supporte pas la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que vous qui êtes patriotes là. Vous qui êtes patriote là, vous êtes allé, vous avez payé vos t-shirts là, vous avez payé vos tickets là, vous êtes parti, il y a eu plus de 4, de, entre, près de 5000 personnes, il y a eu des blessés, il y a eu des morts dans cette histoire de la CAN, il y a eu plus de 42 morts dans cette histoire de la CAN là, si vous n'avez pas une idée, 42 morts, plus de 5000 blessés dans cette histoire de la CAN. Mad Gradel est venu, il a fait son discours, il n'a même pas dit merci, il n'a même pas dit rest in peace, il n'a même pas dit une minute de silence pour les morts. Vraiment, ceux qui ont été blessés pendant le match, il n'a même pas eu de compassion. En plus de cela, il vous dit que c'est Alassane Dramane Ouattara là. Et puis il dit Diallo là, qui lui ont donné la force et le courage à l'équipe de Côte d'Ivoire. Sinon, vous les supportez là. Vous n'avez rien créé ici. C'est en cela que j'ai dit mon choix a été le meilleur choix. Ouais, ouais. C'est ça qui est la vérité. Mon choix a été le meilleur choix. Parce que c'est pas à moi de regarder la parler. Hein. C'est à vous. Vous les supportez là. C'est à vous qu'il a parlé. C'est à vous qu'il a manqué de respect. C'est à vous qu'il n'a pas eu de considération. C'est à vous qu'il n'a pas calculé. Malgré le soutien, malgré le fait que moi-même j'ai vu les Ivoiriens sortir en masse. Ils ont été, comment on le dit, ils ont été là pour l'équipe, pour les éléphants. Ils ont combattu, ils ont supporté. En tout cas, la CAN, il n'y a pas quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas fait pour pouvoir garder cette CAN-là. Moi-même là, je dis que je le veuille ou pas. La vérité était devant les yeux de tout un chacun. Je n'ai pas supporté la Côte d'Ivoire. Hein. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, j'ai supporté le Mali parce que ça, c'était mon choix. Et personne ne peut me dire quoi faire. J'ai respecté vos choix. Que vous le vouliez ou pas, vous devez respecter mon choix. Mais si on met ça de côté, là, les supporters, les Ivoiriens, ils ont mouillé le maillot pour les éléphants. Les Ivoiriens ont mouillé le maillot. Oui, car la vérité, faut dire la vérité. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur des récupérations. C'est pour cela que, si je vais vous dire la vérité, si vous voyez que je n'ai pas voulu rentrer dans cette histoire de cas, parce que j'étais déjà au courant de cette récupération sur le volet politique étant téléchargé. Je le savais. Tout le discours de Max Gradel, là, c'est pas un discours qu'il a écrit, c'est un discours qui a été fait, on lui a donné. Ce sont les éloges de Ouattara. C'est encore ce quatrième mandat anticonstitutionnel qui va faire couler le sang des Ivoiriens. C'est ça que Alassane veut. Il faut faire couler le sang des Ivoiriens. Et la CAN là. La CAN là. La CAN là. Je le dis haut et fort que c'était une manière, et c'est une manière pour Ouattara de faire une récupération. Mais les Ivoiriens qui sont intelligents, ils connaissent. Les Ivoiriens qui ont compris, ils connaissent. Les Ivoiriens qui savent faire le discernement, ils connaissent. Ils savent que la CAN là,
n'a rien à voir le volet politique. Mais comme l'Ivoirien aime être dans les émotions, comme l'Ivoirien veut toujours, et comme on le dit, et voir, ne va pas plus loin que son nez, on reste dans les émotions, on reste dans les trucs qui ne nous amènent pas quelque part. C'est l'ingratitude. Et je le dis, c'est le typique. L'Ivoirien, là, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Même pas merci à vous. C'est vous qui avez supporté les éléphants. Sinon, moi, là, moi, j'étais libre. C'était cas des cannes. Moi, j'étais pas dedans. Je n'avais rien à foutre avec cette histoire de cannes. Parce que tant que les prisonniers politiques n'ont pas été libérés, là, la canne, ça ne m'intéressait pas. Tant qu'on avait encore les fils dignes de notre pays qui ont été incarcérés, Ouattara n'a même pas pu faire. Il n'a même pas pu libérer des prisonniers politiques pour dire on est dans cette histoire de canne. Fait plaisir, adoucit le cœur de certains parents en libérant les prisonniers politiques. Là, la canne ne m'intéressait plus. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. On va parler maintenant. Quand je vous parle de l'hypocrisie, quand je vous parle de la méchanceté, quand je vous dis que je dis Dieu merci même, cette histoire de canne là, je n'étais pas dedans, je sais que ça ne m'intéresse pas. À part que la Côte d'Ivoire, le Mali ont joué, je supportais le Mali, le reste de la canne là, ça ne m'intéresse pas. Je dis Dieu merci. Et Mas Gradel, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Le discours que tu as tenu là, c'est un discours qui n'avait aucun sens. Le discours que tu as connu là, c'est un discours qui en dit plus déjà sur la manigance, la marmaille qui est derrière cette histoire de canne. Moi, la guerre, je savais ce qui se passait. J'avais une idée. Tu as cité le nom d'Idriss. Tu n'as pas cité le nom de Didier Drogba. Tu n'as pas cité le nom de Didier Drogba. Tu n'as même pas fait les éloges du coach Fayet. Pourtant, c'est ce coach-là qui a mené les Ivoiriens à aller à cette victoire aussi. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Le coach-là, c'est lui qui a envoyé les Ivoiriens aller à cette victoire aussi. Parce que, même si vous dites que c'est Akradio ou Akradia, mais pour qu'Akradio la puisse marcher là, votre Akradio là, pour que ça puisse marcher là, mais c'est quelqu'un qui va donner les tactiques où les joueurs doivent se positionner, comment contre-attaquer pour que vous puissiez avoir une victoire sur le match. Tu n'as même pas eu la sagesse. Tu n'as même pas eu la sagesse de dire merci. Didier Drogba était là. Didier Drogba était là depuis le premier jour jusqu'à la fin. Je le dis haut et fort. Même quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ce monsieur a mouillé le maillot. Moi, la guerre, j'étais au courant de tout ce qui se passait dans cette histoire de la canne. S'il faut remercier quelqu'un dans cette histoire de la canne, la première personne que moi, la guerre, je vais dire le merci là, c'est Didier Drogba. J'ai eu encore plus de respect et d'admiration pour Didier Drogba. Tu peux ne pas l'aimer. Tu peux dire ce que tu veux de lui. Mais quand il y a la vérité, il faut reconnaître. Quand il y a la vérité, il faut reconnaître cette vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu as parlé de tout le monde. Tu as parlé de tout le monde. Idriss, il a fait quoi? Idriss Diallo, il a fait quoi? Il a dit, haut et fort, dès le premier jour que lui, là, il n'est pas là pour remporter, pour que la Côte des éléphants remporte la canne. Il a dit. Mais c'est Didier Drogba qui vous appelait. C'est Didier Drogba qui mouillait le maillot. C'est Didier Drogba qui vous encourageait. Même le coach Faïla, allez lui demander. Si Didier Drogba n'était pas là pour lui. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Cette canne-là, je l'ai dit. C'est pour cela que cette canne-là, je n'ai pas voulu me mettre. Parce que je savais réellement ce qui se passait dans les fonds de la canne. Vous les supporters. Vous qui avez mouillé le maillot. Vous qui avez rempli les stades. Vous-même que mon corps était même dit qu'il ne supporte pas la colère. La personne, comment vous commencez à vous. C'est que la personne commence à être votre ennemi là. Même pas un remerciement pour les supporters. Même pas un remerciement pour les Ivoiriens. Vous avez vu? C'est grave. J'ai dit Dieu merci que j'ai eu à supporter le Mali. Parce que si j'avais supporté la Côte d'Ivoire, là, si j'avais supporté la Côte d'Ivoire, et puis Mas Gradé était venu faire le discours là. Wallahi bilahi. C'est-à-dire que direct qu'elle est en train de faire là, ce ne sera pas le même genre de direct que j'allais faire. Ce ne sera pas le même genre de direct. Mais comme moi, j'ai supporté le Mali. Le Mali a été éliminé. Quand le Mali a été éliminé là, je n'ai plus mis ma bouche dedans dans quelque chose.
Je n'ai plus mis ma bouche dans quelque chose. La canne, là, je l'ai dit. J'ai dit, moi, dès le départ, là, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. C'est méchant. Mon frère, c'est méchant. Même l'assistant coach, votre coach, là, l'entraîneur, vous avez payé un plan, plus de 70 millions, il gagne par mois. Plus de 70 millions, il gagne par mois. Le seul étant un coach. Vous l'avez enlevé. Vous êtes venu mettre votre, comment on appelle, faille. C'est parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre qui allait vouloir prendre les éléphants. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Disons-nous la vérité. Quand la Guinée équatoriale a tabassé la Côte d'Ivoire, là, personne ne pouvait imaginer que le Maroc allait permettre à la Côte d'Ivoire de re-rentrer encore dans cette course. Donc tous les coachs qu'ils étaient en train d'appeler, là, personne n'a voulu prendre la responsabilité d'entraîner encore la Côte d'Ivoire. Parce que tu vas l'entraîner là, s'il perd, là, on m'a dit que c'est pas encore. Mais ce monsieur-là, Faye, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il a accepté. Il a accepté de continuer la course avec les éléphants. Il a accepté. C'est que si ça cassait là, c'était sur lui. Ça passe là. Donne-lui le crédit. Ça passe, donne-lui le crédit. Regardez même l'argent qui a été distribué. Vous avez donné au coach 100 millions. Et vous avez donné aux autres, aux joueurs, 50 millions de francs CFA. Chacun d'entre eux. Plus une villa d'une valeur de 50 millions. Donc c'était comme si vous l'avez donné aux joueurs 100 millions et vous avez donné au coach 100 millions. Là même, il y a déjà une injustice qui est là. Il y a déjà une injustice qui est là. Le coach là, il aurait dû avoir ses 100 millions. Et puis une villa encore pour ajouter dessus. La différence devait être automatique. On devait l'encourager. Parce que c'est lui qui a mouillé le maillot. On a qu'à se dire la vérité. Mais vous savez, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'ingratitude. L'ingratitude. C'est l'ingratitude. C'est bel et bien dommage. Ma vérité là, que vous le vouliez ou pas, je vais vous la donner. Ça ne chauffe pas. Que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas changer ça. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, là, mettez ça dans vos têtes, que ça soit clair, net et limpide comme l'eau de roche. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter ici sur les réseaux sociaux. Je vais parler cette vérité. La personne qui n'est pas contente, tu te désabonnes de ma page dans la paix du Seigneur. Mais si moi, ma page, ce sera une page de la vérité, une page de la démocratie, une page qui va dire les choses sans maquiller. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas ivoirienne. Tu n'es pas comme si. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Celui qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a brigandé la constitution ivoirienne pour s'asseoir, qui a découpé à cause de son troisième mandat anticonstitutionnel, on a un jeune du nom de Toussaint, qui a la tête qui a été décapitée comme un ballon de foot. Celui-là même, c'est un Burkinabé venant de Sandou. Ce n'est pas un ivoirien. Trois nationalités. Et ou et peut-être. Si vous pouvez accepter que lui s'assied à la tête de la Côte d'Ivoire, diriger la Côte d'Ivoire, wallahi billahi taala. Moi, la malienne, je vais parler. Je vais parler. Vos présidents, il n'est pas plus ivoirien que moi. C'est ça qui est la vérité. Il n'est pas plus ivoirien que moi. Moi, je suis né ivoirienne. Pas que je suis né sur le continent et en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Je suis né de parents ivoiriennes. C'est ça qui est la vérité. Donc vous allez la fermer. Si c'est à refaire. J'ai dit je supporte le Mali, je suis libre. Mais la vérité que vous ne voulez pas là. La vérité que vous ne voulez pas entendre là. Vous allez l'entendre que vous ne vouliez pas. Elle est amère. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui là, on vous a limé. C'est comme si c'était une baffe. Que Mas Gradel vous a donné. C'est bien fait pour vous. Bien fait. Très bien fait. Supporteur Masso. Vous n'avez aucune valeur. Ils s'en foutent. Vous n'avez pas. C'est que vous n'avez rien créé dans la canne. C'est ce qu'ils vous ont dit. C'est ce qu'ils vous ont dit. Donc, c'est moi qui ai supporté le Mali. Là. J'ai dit Dieu merci, j'ai supporté le Mali. Parce que ça, là, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné.
toute la gloire est venue à Ouattara. Les éloges, c'est pour Ouattara. C'est pour Idriss Diallo. Même pas le coach, même pas Didier Drogba. Même pas Didier Drogba qui a mouillé le maillot. Qui a mouillé le maillot pour les éléphants. Des personnes qui aiment les éléphants, qui ont aimé, qui ont supporté. Plus de 42 morts. Plus de 5000, près de 5000 blessés. C'est la rancœur qui vous suit. Vous avez vu? Le fait que on les a limés là. 4-0 là. Marc Gradet n'a pas oublié. Il vous a rappelé. Il vous a rappelé cela. Quand on a un cœur qui n'est pas un cœur de pardon, c'est ça. Quand on a un cœur, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas voir certaines choses et puis se dire, bon, c'est arrivé à un certain moment donné, on passe là-dessus. C'est grave. Et c'est de ça que nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien n'arrive pas à pardonner son frère ivoirien. On n'arrive pas à passer au-delà de certaines choses. On n'arrive pas à faire le discernement. On n'arrive pas à comprendre que les gens ont leur manière de faire des choses. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas approuver. Mais on respecte. Mais quand on est habitué, on a un dictateur qui est à la tête d'une nation. Finalement, les répercussions se mettent. On commence à copier les mauvaises. Les mauvaises. C'est grave. Et c'est bel et bien dommage. Ce discours n'est pas un discours rassembleur. Ce discours n'est pas un discours qui donne envie encore. Même ceux-mêmes qui m'ont vilipendé dans les réseaux sociaux, il y a certains qui m'ont envoyé un message. Ah, la guêpe. Ah, tu n'avais pas tort. Le fait que tu n'as pas supporté les éléphants. Hein. Je dis non. Ne pense pas que j'aime pas les éléphants. Ne pense pas que j'aime pas... Non, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a absolument rien à voir avec. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je dis non, je supporte le Mali. C'est tout. On a dit c'est une carte de l'humilité. La Côte d'Ivoire, on va voir qui va gagner. Et puis on reste dans cette... comme on le dit, on reste dans cette joie, dans ce truc-là. Ah, bon, vous avez vu, nous, on a tapé les Maliens. Et puis on est dans la joie, on rit. Et puis on s'enjaille. C'est comme ça le foot est supposé. Mais aujourd'hui, là, vous avez tout politisé. Vous avez tout politisé. Quand on sort, on parle. Non, ce n'est pas une histoire des politiques. Non, ce n'est pas une histoire des politiques. Ah, on est en train de parler de ballons. On parle des ballons. C'est pas... Mais c'est une histoire de politique. C'est une histoire de politique. Ce que moi, j'ai vu, là, au début, là, vous n'avez peut-être pas vu. Il y a des gens qui ont mouillé le maillot pour les éléphants. Je vous jure. Des gens mouillés. Le coach là même. Si on vous dit ce que le monsieur là est en train de faire. Ou bien ce qu'il a fait. Si on vous le dit. Vous n'allez pas croire. Si on vous dit le maillot que Didier Drogba a mouillé. Moi même quand on m'a appelé, on m'a donné les infos. Je dis non, je ne crois pas. Est-ce que c'est vrai? Je dis ah la guêpe, il a fait ça. Je dis waouh. C'est incroyable. Mais bon. C'est parce que c'est une histoire de politique. On ne veut pas de Didier Drogba, donc on ne va pas faire les éloges de Didier Drogba. On ne veut pas de Didier Drogba, on ne fera pas les éloges de Didier Drogba. On ne veut pas du coach. On ne fera pas les éloges de ce coach. On fait éloge des personnes qu'on veut. Et c'est bel et bien dommage. Bel et bien dommage. Et je voulais en profiter encore pour dire mes condoléances aux familles qui ont enlevé, qui ont perdu, pardon, frères, sœurs, peu importe. Vraiment condoléances à toutes ces personnes. Et aussi, les personnes qui sont des blessées et tout, pendant cette canne, vraiment que Dieu vous fortifie et que Dieu vous donne la guérison. Et aussi, pour des personnes, les supporters, beaucoup de personnes, des Maliens qui ont fait des shows, la finale au Mali, supporter le maillot porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai des amis maliens. C'est parce que je ne peux pas mettre ça sur les réseaux sociaux pour ne pas montrer leurs identités. Le jour de la CAN, la Côte d'Ivoire, ils ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Ils ont dansé la victoire. Il y a d'autres même qui m'ont appelé, mais c'est moi. Ah, là, t'as vu, les Ivoiriens ont gagné. Je dis, mais la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Ça, c'est pas un truc. C'est qu'on se... On se taquinait, au fait. À tous les supporters, Mazo, vraiment, vous avez mouillé le maillot. Vous avez vraiment mouillé le maillot. Calmez-vous, et je le dis, calmez-vous, ne regardez pas tout ce qui se passe. La vérité, nous la connaissons. Dieu merci, la Côte d'Ivoire a pris la CAN. Nous sommes tous heureux, contents pour ça. Mais il y a encore des réalités de notre pays qui sont là.
Nous avons le taux, le 10% d'électricité qui a augmenté. Nous avons les denrées alimentaires qui ont augmenté. Nous avons les prisonniers politiques qui sont dans notre pays, qui ne sont pas encore libérés. Nous avons plein de choses. La constitution de la Côte d'Ivoire qui doit être touchée, vilipendée, modélée, changée encore pour satisfaire Ouattara, pour qu'il puisse se présenter encore pour un 4e mandat. Se saigner encore le sang des Ivoiriens. La canne est finie. Nous sommes tous heureux. La canne est finie. On s'est enjaillé. Maintenant, là, nous devons aller de l'avant. Nous devons regarder dans le fin fond des choses. Dans le fin fond des choses. Après la canne, il y a une vie. Après la canne, nos réalités sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Nos réalités sont là. Et les réalités, les problèmes que nous avons laissés avant la canne, là, rien n'a changé. Hein. Ce sont ces mêmes réalités, ces mêmes problèmes-là que nous allons rencontrer après la canne. Soyons une génération consciente. Une génération consciente. Faire la politique autrement, mais la faire intelligemment. Je le dis tout le temps. Ce n'est pas une histoire de « Ah, mais la guerre, ça là, ça n'a rien à voir avec la politique. Pourquoi tu parles ?» Mais je vous dis tous les jours. Je suis une Ivoirienne. Donc, peu importe que ça soit volet politique, que ça soit pas volet politique, que ce soit volet social. Si je dois parler, je vais parler. Si je dois faire des prises de conscience, je le ferai. J'utilise mes plateformes. Pas pour divulguer du n'importe quoi. Pas pour créer de la zizanie, pour donner, conscientiser et donner la vérité que nous avons besoin aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ce qui s'est passé là, la chose qui va faire le plus mal, c'est l'ingratitude qui a été faite envers les supporters ivoiriens. Même pas merci à nos supporters, merci aux Ivoiriens pour leur support inconditionnel. Même si quand on vous a gagné là, on vous a insulté là, mais après ils ont été là. Ils ont été là. Même pas merci aux supporters ivoiriens. Même pas merci à Didier Drogba. Même pas merci au coach Faye. Et en plus de cela, même pas une minute de silence. Plus de 42 personnes ont perdu leur vie dans cette histoire du CAN. Les gens sont encore couchés dans les hôpitaux. Même pas propre établissement. C'est de ça que nous parlons. C'est ça que nous critiquons. C'est ces gens de récupération qui font que souvent, on s'abstient. Souvent, on ne veut pas se lancer dans quelque chose. Parce que nous avons déjà une idée de ce qui se passe dans le vrai fond. Ce n'est pas encourageant. Je l'ai dit dès le départ, la canne, je n'en ai que dalle. Pourquoi? Parce que j'ai mes frères qui sont encore incarcérés. Ni politique. Ouattara ne peut pas parler d'une canne de humilité. Il ne peut pas parler d'une joie. Il ne peut pas parler d'une célébration. Et nous avons encore nos frères ivoiriens qui sont incarcérés. Et vous voulez que moi, la guerre, je supporte? Je sois d'accord avec? Je dis non. Je dis, moi, je ne supporte pas la canne parce que je ne cautionne pas cette canne. Je n'approuve pas cette canne. Et je n'approuve pas parce que j'ai mes frères qui sont en train de mourir, périr dans des prisons. Quand je vois ça, j'ai mal. Je ne peux pas approuver la canne de Ouattara. Vous allez dire non, ça n'a rien à voir avec Ouattara. Ce n'est pas politique. Mais bien sûr que c'est politique. La preuve, on est que. On nous dit non, qu'un 4e mandat doit être donné à Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire a pris la canne, donc on doit donner un 4e mandat à Ouattara. Et vous parlez que ce n'est pas politique. Vous parlez que ce n'est pas politique. Mais réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout en chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, continue de pardonner nos péchés et nous envoie le sens du discernement. Merci à toutes les personnes qui ont supporté les éléphants. Même si moi, la guêpe, je n'ai pas supporté les éléphants, ce n'est pas grave. Le Mali et la Côte d'Ivoire, là, pour moi, c'est des pays frères. Je l'ai dit, je suis ivoirienne. Ce n'est pas qu'on m'a donné la nationalité. Ce n'est pas que parce que je suis née en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Parce que je suis née de parents ivoiriens. Je suis ivoirienne de sang. Mon sang, c'est un sang ivoirien. Mes origines, je ne sais pas où je pars, mais je sais d'où je viens. Mes origines maliennes, sénégalaises. Ok? Maliennes et sénégalaises. Ça, ce sont mes origines. Je ne peux pas changer ça. Que vous le voulez ou pas, je serai toujours là pour dénoncer et dire ma part de vérité. Que vous le vouliez ou pas. La personne qui n'est pas d'accord, rends-moi un service et déconnecte-toi de ma page. C'est simple, clair et limpide. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée. Et puis, peace alors. Alors, Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples du Côte d'Ivoire, chers peuples d'Afrique, c'était donc l'intervention de votre serviteur, l'amiral Bafet. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette journée de jeudi 15 février 2024. Partagez massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi voilà, d'activer la cloche de notification quand vous abonnez pour ne rien rater de tout ce que nous publions sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne
panafricaine, votre chaîne de résistance. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de ce direct. Merci à vous et que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde, vive la révolution et que Dieu nous donne cette force pour que ensemble nous puissions arriver au bout de ce combat. Merci et à ce soir pour notre direct. Bonjour chez vous.